Heirs of Star Fox, a grave danger looms. The Lylat system is in peril. What? How do you know? We know. The research director will brief you on all the details. Hello again, everybody. Dad, you're the research director? You never told me that. Well, gee, didn't I? Yes, in any case, if I may continue, these Aperoids... Aperoids? Indeed, they are the enemies you faced earlier. I believe it was about 17 years ago, a whole fleet was destroyed by a sole Aperoid. We were somehow able to survive that trial, but that was just a taste of what's coming. We are currently analyzing data from the core memory you found. But we could understand much more if we had a complete specimen. We have detected a distress signal originating from the Gaina outpost. However, we're unable to contact anyone there. We suspect Aperoid involvement. You must find the distress signal. No problem at all, sir. I'll head to the surface immediately. That signal shouldn't be too hard to find. By yourself? It's too dangerous. I'm going too. No, I want you guys in our wings, covering me from above. I'm counting on you. Let's do this! It's too quiet. Something's wrong here. It's a trap! It's the Aperoids after all. Miyasan, konnichiwa, aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième épisode de notre petit let's play sur Star Fox Assault sur Nintendo GameCube. Alors aujourd'hui, on va commencer le deuxième type de gameplay, c'est-à-dire le gameplay où vous êtes en face comme ça, où vous êtes à terre, quoi. Et on va tomber sur une partie qui est bien chiante du jeu, c'est-à-dire le truc que je déteste par-dessus tout dans ce jeu, c'est sauver vos putains de coéquipiers, car parfois ils sont aussi utiles que la bite du pape, et je pèse mes mots, parce que le gros problème c'est qu'ils se foutent dans la merde et il y a personne à côté d'eux qui dit attends je vais t'aider, on va envoyer on va juste dire au pignouf qui est en bas et d'aller les sauver parce que bah voilà quoi, c'est un renard et qu'il est rosé comme un renard, bah c'est tout ce que j'ai trouvé et puis ce sera tout. Donc on va commencer, voilà, donc ces saloperies d'insectes, vous avez tous les descendre, donc là on va plutôt garder ça, le blaster c'est l'arme favorite de Fox, hein, elle était présente je crois, elle est pas présente dans le... Oh putain. Elle est pas présente sur le Star Fox Adventure qu'on fera plus tard hein, parce qu'il était très bon, il était très... Voilà, il faut rusher comme ça. Ouais, on l'a échappé à... Et on va récupérer un lance-roquette. Donc il est pas présent, je crois, il est pas présent dans le Star Fox Adventure, il était très bon, là, il était très... C'est vrai quand je suis passé de celui-là... J'ai eu un peu plus de mal. There's no end to these things. Peppy, send me a landmaster, will you? On its way. What's the situation? Well, I got my hands full. But what else is new? Done. Here's your landmaster. Let me know if you get lonely and I'll drop by. Nah, all I need is a landmaster. Transmission complete. It's all yours, Fox. Hey. Good to see the transmission system's targeting is as sterling as ever. Je devrais mettre une putain de tête de troll pour celui qui a décidé de lâcher le truc ici. Le Lancemaster, hein, c'est magnifique, hein, j'ai envie de dire les progrès de la technologie. Donc il est où? Ah voilà, il est là. Donc ça va nous aider à pulvériser ces saloperies là. On va jouer au dé. Mais je sais que c'est dératiseur, mais pour les insectes, je sais plus comment on dit, exterminateur. Ouais, bah, tu sais, je peux pas faire un. Oh putain, je les ai été à ces trucs. Allez, dégage, va-t'en.
Voilà, Help Crystal, hein, magnifique, c'est le truc que j'adore, ça c'est un truc qui est magnifique dans ce jeu, c'est de devoir sauver cette... Voilà, je sais même pas, hein, comment veux-tu que je fasse, c'est concrètement là, est-ce que j'ai une tête à te sauver là? Je sais que je l'ai fait une fois dans l'aventure, mais j'ai pas envie de le faire là. Allez, vas-y, tire. Voilà. Ah mais je l'ai eu là. Où est-ce que tu es? Non, c'est Sylvie. En plus, regardez, vous voyez bien que vos coéquipiers... ouais, bah là, je crois que tu vas faire comme toutes les femmes, tu vas te démerder. Voilà, magnifique, j'ai envie de dire, merci le jeu. C'est le truc que je déteste. C'est le truc que je déteste, si tu dois sauver tes coéquipiers, c'est complètement couillon, parce que quand t'es comme ça, t'es plus à sauver ta propre peau contre ces insectes. Tu peux quand même pas te faire... peux quand même pas sauver ces trucs-là, quand même. Alors, on va faire continuer, allez hop. Oui, c'est l'esprit, je sais. Parfois, les traductions sont un peu bizarres. Allez, c'est bon, on y va. Parce que là, on peut aller plus vite avec ça, je m'en souviens. Mais ça, c'est un truc que je supporte pas, parce que je sais que tu dois sauver. Alors, quand c'est dans l'espace, quand c'est avec ton Arwing, tu peux essayer de récupérer la situation en les sauvant. Mais si tu perds Falco qui te donne les bombes, et si tu perds Sleepy qui te montre la vie de tes boss, bah tu vas forcément en chier, et en chier comme un russe. Allez, on y va. On spam, on détruit tout. Bon, je pourrais leur rouler dessus, hein, tiens, on va faire ça. Allez, dégage. Voilà, c'est fait. Donc la première partie, je crois qu'il faut encore... Il y en a encore quelques-uns. Ouais, il y en a deux cibles. Hein. Ils auraient pu traduire ça en français, mais target, franchement. On met de l'anglais partout. Alors, j'ai pas de problème, trop de problème avec l'anglais. Voilà, si je le roule dessus, ça va aussi. Ouais, encore une fois, on va s'amuser, c'est pas très difficile. Hein. Hop, ah, je l'avais oublié, cette petite bête. Hein, ouais. Il m'est arrivé d'un coup dessus, je l'ai pas vu. Donc ceux-là, vous pouvez pas les attaquer, il faut vraiment vous viser la tête. Hein. Alors, ils te disent que ça engendre les aporoïdes, hein, c'est magnifique. Hein. Mais il y a un problème, c'est qu'ils apparaissent sans... ils apparaissent comme ça, quoi. Ils ont pas besoin de ces trucs-là pour apparaître et pour spawn, c'est un peu bizarre. Enfin bon, c'est le scénario. Je vais devoir récupérer un peu de la vie parce que ceux qui ont fait... Oh voilà, c'est Help Sleepy, magnifique. J'adore. T'es où, couillon? Ah, puis en plus, ils sont trois, ce coup de fois-ci. Mais le pire, c'est que vous êtes dans la merde, ils viendront pas vous aider pour autant. Hein. Allez. Voilà, je t'ai aidé. Mais le pire, c'est que quand vous êtes dans la merde entre vous, vous vous aidez pas. C'est pas logique, ça, mais c'est pas... Je sais pas, moi, normalement, je jette mes coéquipiers, hein, je suis pas le seul, hein, à croire qu'ils se sont dit, tiens, je vais voir, on va faire un pari contre ceux qui vont réussir survivre le plus longtemps en équipe. C'est pas forcément la bonne idée. Hein. Donc là, y a rien. Ah, si, on peut détruire ces trucs-là. Mais ça sert à rien. C'est juste... C'est vrai que je râle un peu contre ce jeu-là, mais vraiment, à l'époque, j'avais trouvé très bon ce jeu. Bon, je continue à le trouver très bon, même s'il est très, avait été 14 sur 20 sur la plupart des sites. Mais voilà, quoi, ça fait partie de ces vieux jeux que Nintendo avait, que malheureusement, ils ne font plus. Donc, je sais pas quand cette vidéo va sortir. Hein, je l'ai fait au début, fin mars, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir Star Fox Zero. Et j'ai vu les premières missions, et ça me, enfin, les premières images, et ça me donne... pas super envie de l'acheter, le prochain, le Star Fox Zero. C'est pourtant, c'est une série que j'adore, mais là je trouve que non, en plus je le trouve pas super beau,
Alors on peut me dire que c'est un jeu Wii U, mais Project Zero qui était sorti sur Wii U, dont je vous ai fait quelques vidéos, est plutôt joli à regarder, lui. C'est pas... Ça, c'est les mines. Oh, là, ils vont... Nouveau type de d'Aporoid. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ah oui, il y a un autre un truc de bombo, là, mais c'est ça, dans la plupart des jeux. Quand c'était des jeux comme ça, que tu te disais qu'ils étaient pour la plupart... Merde, qui était sur... Oh, il faut rentrer, je m'en souviens. C'était pour la plupart des jeux qui étaient... à l'époque, il n'y avait pas de système online, quoi. Donc tu t'en foutais complètement, quoi. C'était juste un score pour t'amuser entre potes. Mais ce jeu, quand même, il était très bon, hein, si tu voulais t'amuser entre potes, parce qu'il y avait un mode... Oh. Qui me casse les pieds, là? Qui me tire dans les fesses. Il était très bien, ce jeu. Il y avait un mode combat où tu pouvais jouer avec... Avec tes potes, moi j'avais bien aimé ce truc-là, quoi. Il y avait aussi Wolf, hein, qu'on va découvrir plus tard dans la prochaine vidéo, qui était... mon dieu, c'était le... Ah oui, je peux pas rentrer, il faut que je sorte de la ruine. Donc c'est pour vous montrer que... Parfois vous l'aurez pas toujours, la ruine, hein. Il faut se mettre en tête. Voilà, donc là je sors. Je crois que la machine gun, le gatling gun... Ah, pile les sauts. Non, je fasse pas par là. Oui, je m'en souviens, il y en a un qui va respawner, là. Un second... Oh, putain. Vas-y, vite, change d'arme. Ah, pour ce... Non, j'avais pas d'arme, c'était juste pour récupérer... Ah oui, ça, c'est une bombe anti... comment on appelle ça? Un truc anti-personnel, de passer dessus, ça vous expose. Voilà, donc... En fait, je me suis bien gouré. Il fallait aller... Ah, même les petits bruits quand vous sortez ou quand vous rentrez, c'était... J'avais oublié, c'était très bon. Il faut que j'utilise le tir... T'es sérieux? Ah oui, voilà. Donc je m'en souviens, je suis désolé pour les fans. Non, rentre. Ça c'est aussi un petit problème du jeu, c'est que pour se retourner, Fox, t'as l'impression que c'est un bulldozer, quoi. Ah, ça aussi, je me souviens, putain, j'ai cherché pendant des heures la première fois que j'ai fait cette mission. Et j'en avais chié comme un russe. Ça sort bon. C'est un peu le même système que... Ah, merde, que Nightfire. Je cherche mes mots parce que j'essaie de me concentrer en même temps. Ouais, il était là. Oh non, pas toi. Oui, je m'en vais, je reviendrai plus, hein, c'est bon, je vais attendre que... Ah ben, on va attendre, hein. Je me souvenais plus trop de cette entrée-là, ça, c'est rassurant, parce que la prochaine mission, elle est un peu chiante pour trouver les six, parce que dans ce jeu, c'est un peu le même truc, hein. C'est un peu le même système, c'est un peu redondant, donc si vous n'êtes pas fan de la série, ben, vous allez pas forcément apprécier, hein. C'est-à-dire qu'il vous faut... dans chaque mission, vous trouverez... Des cibles à abattre, ça c'est à peu près dans tous les jeux, des cibles pour empêcher les ennemis d'apparaître comme ici, ou des j'allais dire des humains, non c'est autre chose, c'est les autres persos là. Alors je reprends de la vie, pourquoi je reprends de la vie? Parce qu'il va y avoir un boss, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, chaque mission, il y a un boss, vous êtes obligé de vous le taper, c'est... Dans le jeu, ils se sont bien amusés, parce que dans l'ancien, des boss, t'en avais que 4, je crois que je m'en souviens bien, des 4 boss, puisqu'il est là. Et là, bah, t'en as à toutes les missions. I got a bad feeling about this. So, the leader. That thing is giant and ugly. Wait, that thing has a core memory. You heard the lady, Fox. We gotta get that core memory. Un truc qui m'a toujours fait halluciner avec ce boss, c'est qu'il a un immense corps, une toute petite tête, et toute riquiquée et toute petite. Alors là, il faut... Oh putain. Il va falloir le toucher au bon moment ici. Oh, il est pas vraiment dur à battre, hein, c'est juste une question de... Allez, monte ta tête.
faut toucher la tête, la mémoire centrale. Hein. Vous voyez comme elle est partie, mais elle est revenue. Donc ouais, il est très très facile. Hein. C'est... Il est vraiment... Et si je tire à côté aussi. Voilà, allez, fini. Ce jeu, en fait, il possédait aussi des... Ça, c'est un truc... Un énorme truc, un avantage chez Star, dans Star Fox. Il a toujours des musiques magnifiques. Careful, we don't know anything about what we're up against. I know that. Hey, it looks like that distress signal is no longer transmitting. Hmm, that doesn't sound good. Hey, thanks for helping me out. Hey, Mom. Long time no see, Fox. The SOS signal. It was you? This is why I'm here. I'll just help myself to this. No, that's... Fox, I'm tracking Pygma on radar. Get back to the Great Fox now. Magnifique, on s'est fait griller la mémoire centrale au dernier moment. Ça servait à quelque chose que du gros sur des carcasses, comme dirait la pub. Voilà, donc on va s'arrêter ici avec Christelle qui nous a fait... ça va juste impacter sur votre... Quand c'est Christelle, je crois que c'est moins d'enjeu parce que... Je sais pas si c'est le jeu est sexiste, mais elle a... Je sais pas si elle a des pouvoirs, je me souviens plus. 12 minutes. Donc voilà, ça fera une petite vidéo de 17 minutes, voilà. Donc on va s'arrêter ici. En attendant, je vous dis, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Et en attendant, on se dit matané et à la prochaine pour l'épisode 3.